Et yo les potes, et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Mais ce serait pas le décor de Prince ça des fois? Peut-être que si. Les amis, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. En ce moment, il m'arrive des choses assez incroyables et je vous en parlerai très prochainement, peut-être un petit peu dans cette vidéo, mais prochainement surtout. Bref, aujourd'hui, je vous propose de faire une FAQ, donc du coup, c'est la FAQ un peu annuelle, on en fait en général une fois par an, c'est maintenant. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Voilà, donc c'est parti, on y va pour la FAQ et bien sûr, quelques annonces. Boum! Voilà les amis, donc on va commencer par la FAQ, comme ça c'est fait, là on doit être dimanche, dans une semaine, je ressortirai la vidéo FAQ, donc du coup vous avez une semaine pour me mettre toutes vos questions, mettez-les en dessous de la vidéo sur les commentaires, ne me les posez pas s'il vous plaît sur Twitter ou sur Insta, etc. parce que je les verrai pas, donc mettez directement tout en dessous de la vidéo, ce sera bien bien meilleur. Ok, maintenant que ça s'est dit et que ça s'est fait, on peut passer aux autres annonces. Pour les FAQ, je préfère le préciser, vous pouvez faire toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez, et voilà. Bref, on passe à la suite. Comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'étais pas trop là, et il y a pas mal de raisons pour ça, c'est parce que ces derniers temps, j'ai énormément travaillé, j'ai énormément fait de choses. Comme vous voyez, là, je suis chez Prince, je suis pas chez moi. Donc, en gros, si vous voulez, je travaille avec des gens en ce moment, un petit peu occupés pour faire mes projets, disons, de manière régulière. Mais vous inquiétez pas, il y a quand même pas mal de choses qui vont arriver. Et la première chose dont je voulais vous parler, c'est au niveau des petites annonces. Alors voilà, c'est officiel. Non, je n'ouvre pas de Tipeee, mais du coup, je vous annonce quand même que ça y est, je vis de cette chaîne. Donc, alors, je vis pas uniquement des revenus de cette chaîne YouTube, ça non. Mais je vis en fait de tout ce qu'elle m'apporte autour et de ce que je peux faire grâce à cette chaîne. Du coup, c'est intéressant pour moi parce que comme vous le savez, mon objectif, moi, c'est d'atteindre le cinéma, d'aller vers le cinéma, de faire des films de fiction au cinéma, et donc c'est un petit pas vers le rêve qui se concrétise. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Dreaming 2, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, elle parle un petit peu de nos deux dernières années, c'est un petit peu une rétrospective de toutes les choses qu'on a faites. Bien sûr, il n'y a pas tout dedans, ce serait trop compliqué, trop long à mettre, mais il y a quand même l'essentiel et c'est assez cool à regarder, donc n'hésitez pas. Du coup voilà, je voulais vous remercier par rapport à tout ça parce que aujourd'hui je vais me consacrer bien sûr plus qu'à ça, que ce soit YouTube ou des clients que j'ai à droite et à gauche pour des missions, mais voilà, je peux enfin vivre entièrement de ma passion, même si pour l'instant ça reste, attention hein, quand je vous dis vivre, ça reste pas des 4000 euros par mois, pas du tout, mais je peux au moins presque avoir mon petit SMIC, c'est pas mal, ça commence à être intéressant. Les amis, c'était tout pour cette annonce là. Une autre chose que je veux dire, c'est qu'on est en train de préparer un gros projet de film avec l'équipe. Donc ce film là ne pourra pas arriver tout de suite malheureusement parce que justement il y a beaucoup trop de choses à faire avant. Mais on a monté une équipe. Le film va être vraiment prometteur. Je pense qu'il va être très intéressant. On va le faire dans un but des festivals. Donc ce film là il sortira probablement dans l'année. Je sais pas vous dire quand, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est qu'on va essayer de le tourner en février si c'est possible. Et ce serait vraiment intéressant d'y arriver. En tout cas, j'ai trop hâte de vous en parler un petit peu plus et de vous dire plus de choses là-dessus. Aussi sur les autres projets, sachez qu'au niveau de la chaîne YouTube, au niveau des vidéos, ça fait 2 ans maintenant et du coup on va essayer de faire des vidéos de manière peut-être un petit peu différente. On va encore plus se différencier par rapport à avant je pense, et on va partir, on va revenir un petit peu plus dans ce qu'on était au niveau de l'étalonnage. On va reparler à nouveau de beaucoup d'étalonnage. Il y a un autre truc aussi que je n'oublie pas qui est sorti totalement, enfin qui va sortir totalement en retard, c'est la formation d'étalonnage, ma format d'étalo. Elle est toujours en préparation malheureusement, en fait j'ai tout le temps des idées à rajouter dedans et du coup je la veux toujours plus complète et en fait je la clôture jamais. Donc chaque jour je me dis putain j'ai oublié de parler de ça, tac, et je vais pour l'enregistrer et donc je ne la clôture jamais. Donc il faut vraiment que je mette une pause là-dessus et que je finisse par vous la sortir. Voilà les amis, c'est tout pour ça, pour la formation, tac tac tac, qu'est-ce qui reste? Oui, donc au niveau des vidéos, ce sera plus des vidéos étalonnage, là maintenant on va partir sur des trucs étalo, enfin des trucs vraiment qui me passent par la tête, mais également je voulais vous dire qu'on risque aussi de s'ouvrir un petit peu, peut-être qu'on parlera plus que uniquement de vidéos. Il y aura aussi pas mal de cinéma qui va rentrer dedans. On va pas faire de la critique bien sûr, mais j'aimerais refaire un peu plus de cinéma technica. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller checker, c'est je trouve intéressant. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Vous risquez également de me voir peut-être de plus en plus apparaître sur d'autres chaînes YouTube parce que je fais de plus en plus de collabs. On va collaborer là bientôt avec 2-3 personnes dont je vous détaillerai les noms un petit peu plus tard quand ce sera validé et fait. Et puis voilà, que dire, c'est cool, tout va bien, on est content, wouhou. En bref, tout ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que je vais bien et que je suis hyper heureux et que je vous remercie énormément pour tout ce que vous avez fait pour moi ces 2 dernières années. Et sur
surtout pour continuer d'avancer avec vous. Il manque plus que 4000 pour atteindre la barre des 20 000. Je pense qu'on va l'atteindre assez rapidement, enfin relativement rapidement. On va continuer à faire ça en tout cas, on va continuer à s'éclater, on va continuer à être passionné et on va continuer à partager tout ça. Et voilà, que dire. Voilà, j'arrive un petit peu au bout de tout ce que j'ai à vous dire parce qu'au final, il y a plein de projets qui sont secrets dont je peux absolument pas vous parler et c'est dommage parce que j'ai très envie de vous en parler, mais je ne peux pas. En tout cas, il y a une vidéo qui va sortir sur une cage, voilà, un modèle de cage. On m'a envoyé une cage, je voulais tester et puis elle va sortir. Voilà, il y a ça. Ça va sortir assez rapidement. Et puis après, il y a d'autres choses qui vont sortir. On va aussi faire une vidéo sur la musique, puisque pareil, là-dessus, j'ai été contacté là, par Epidemic Sound et Artlist. Et je trouvais ça intéressant de faire une vidéo avec eux, puisque j'aime bien et puis j'utilise moi-même la plateforme. Donc du coup, ça va arriver très très prochainement. Et voilà les amis, voilà, c'est tout. Bon les potes, j'arrête de parler parce que je sais que là, je parle pour rien. Je vous embrasse, mettez des pouces bleus, partagez, commentez. Et bien sûr, pour la FAQ, c'est en bas que ça se passe. Posez toutes les questions que vous voulez. Si je réponds pas à vos commentaires, c'est normal, je répondrai directement dans la vidéo de FAQ. Et puis voilà, les amis, passez une bonne soirée. Ciao. Bye.